Bonjour et bienvenue à notre séance de formation. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter certains équipements de dernière génération de Bonjour Solar, donc notre partenaire de Chine. Et ces équipements vous seront très utiles pour l'alimentation de vos besoins chez vous à la maison, dans votre village, dans votre province. Je vais vous présenter ces équipements solaires qui sont de très 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 bonne utilité, de très 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 bonne qualité. En premier, nous allons parler de cet appareil que vous voyez là. C'est un puissant appareil de dernière génération, donc un générateur solaire portable. Alors, ce générateur portable à multifonction que je vais vous présenter là, il est très 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 utile et très efficace en matière d'alimentation. Alors, ici, vous avez un générateur solaire portable de 1000 watts, voilà, en puissance d'alimentation. Et vous avez un générateur qui a une capacité de charge MPPT de 50 ampères et une capacité de stockage batterie lithium 24 volts, 50 ampères heure, donc il peut stocker jusqu'à 1280 watts-heure. Je vais me permettre de me lever et vous présenter cet appareil que vous voyez, qui a été bien conçu. Donc, vous pouvez le voir, il a été bien designé, un bon design. Hein, il est portatif. Ici, vous avez une manche pour pouvoir le soulever, pour pouvoir vous déplacer avec. C'est pourquoi on parle de générateur solaire portable. Et ici, vous voyez la façade là, avec un écran LCD pour vous permettre de voir un peu comment on appelle ça, la capacité de charge de la batterie, pour voir la tension de sortie du courant, pour voir si, quand il est connecté au panneau, la tension de charge des panneaux solaires. Et vous avez ici le côté DC charge. Donc ici, vous pouvez brancher des ampoules LED DC. Vous pouvez également ici brancher des portables. Regardez par exemple ce portable-là dans ma main. Je peux ici le connecter là pour pouvoir charger. Regardez, vous voyez, il charge. C'est très pratique. Voilà, je peux le débrancher et le mettre ici dans le port USB pour charger le téléphone. Et en plus de cela, du côté DC, nous avons la partie AC, c'est-à-dire que output, la sortie AC. Cette sortie-là, elle nous fait sortir une tension de 220 volts. Alors, pour cela, je peux utiliser ici mon boîtier que je branche et que je mets là. Comme vous pouvez voir, le téléphone, il charge toujours. Donc, c'est très pratique. Je débranche, je peux aussi le brancher ici encore. Vous pouvez voir le téléphone, il charge. Très bien. Je vous dis que l'appareil, il fonctionne à merveille. Alors, comment faut-il se prendre pour allumer cet appareil? Vous allez voir, nous avons deux fonctions que je vais reprendre rapidement pour vous expliquer. Voilà. Nous avons ici la première fonction, qui est ici la fonction allumage de la batterie. Parce que vous savez, avant que cet appareil ne fonctionne, il faut d'abord allumer la batterie. Voilà. Donc, nous, ici, vous avez ici le bouton allumage. Comme vous pouvez voir, l'appareil vient de se mettre en état de marche. Et lorsque nous allumons la batterie, nous venons ici, le bouton rouge, pour maintenant mettre en service le convertisseur, non-dealer. Comme vous pouvez voir, l'appareil est maintenant fonctionnel. Voilà. Donc, notre batterie est en marche. L'onduleur aussi en marche, il est prêt à donner du courant. Ici aussi en DC et comme en AC. C'est pas fini, je vous ai dit que cet appareil, il est multifonction. Il a aussi une possibilité de recevoir des panneaux solaires pour charger la batterie. Ici, vous avez le port d'entrée hein, pour brancher les panneaux solaires pour charger la batterie lithium pour qu'elle puisse, après quand il n'y a pas de soleil ou bien quand il fait nuit, restituer le courant qui a été stocké dans la batterie. Et quand on n'a pas aussi de panneau solaire, ici vous avez un port AC, input, où on peut, voilà. Ici vous avez le câble. Voilà. Vous pouvez brancher au courant au secteur pour pouvoir charger la batterie.
Et puis vous déplacez avec votre générateur solaire pour alimenter vos appareils. Vous pouvez charger vos téléphones, vous pouvez brancher des petits appareils radio, des postes radio, vous pourrez brancher aussi des petits ventilateurs, que ce soit en DC ou bien AC, des petits ventilateurs. Donc c'est un appareil très 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 pratique et que je vous conseille, chers clients, je vous le conseille. Veuillez prendre cet appareil, vous ne serez pas déçus. Alors, pour toute personne qui est intéressée à prendre cet appareil, veuillez me contacter au plus 225 05 46 84 06 11. Plus 225 05 46 84 06 11. Plus 225 encore 07 47 00 25 95. 07 47 00 25 95. Pour plus de détails sur les prix et les différentes puissances, contactez-nous et on vous servira. Merci.